Bonsoir. Je vous propose une séance destinée à vous recentrer. Libérez vos charges émotionnelles et générez dans votre corps et votre esprit calme et sérénité. Vous n'avez rien à faire de particulier. Simplement, vous laissez bercer par ma voix. Vous recentrez sur vous-même. Et être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Installez-vous très confortablement et lorsque vous le souhaitez, fermez les yeux. Peut-être ressentez-vous des tensions émotionnelles en ce moment, qu'elles soient physiques ou mentales. Votre corps vous parle. Ce peut être désagréable, mais en réalité, ce n'est pas négatif. Les émotions sont toujours justes. Elles ont un sens, et les combattre lorsqu'elles nous submergent ne nous permet pas de nous apaiser. Nous entrons alors inconsciemment en conflit avec nous-mêmes, alors qu'elles ne demandent qu'à être libérées. Bien que nous puissions les ressentir comme néfastes, elles représentent en réalité un signal qui nous indique qu'il y a lieu de réagir et de transformer les choses pour qu'elles nous soient profitables. C'est ce que nous allons faire maintenant. Connectez-vous à ces tensions émotionnelles, à l'endroit précis où elles se manifestent, et plutôt que de les rejeter, accueillez-les avec bienveillance. Imaginez que chacune d'entre elles évoque une fleur de la couleur que vous souhaitez. Ce peut être une fleur rouge si vous ressentez de la colère, une fleur bleue pour la peur, verte pour la tristesse, peu importe. Même si vous ne distinguez pas précisément votre émotion inconfortable, identifiez une fleur colorée. Et si vous êtes envahi de multiples émotions, focalisez-vous sur une fleur en particulier. Détaillez-en la taille, la forme, la couleur. Vous l'avez ? Ok. En ce moment, votre fleur manque d'eau. Elle est à la limite d'être fanée. Elle penche, toute pâle. Elle vous encombre. Elle vous dérange. Plutôt que de la jeter, acceptez-la telle qu'elle est. Tout simplement, sans réflexion particulière. Maintenant, demandez-vous comment vous pourriez faire en sorte qu'elle vous soit agréable. En lui donnant de l'eau, elle reprendrait certainement un aspect plus avenant. Alors faites-le. Imaginez-vous plonger votre fleur dans l'eau d'un vase. Et là, vous la voyez se relever légèrement. Ses pétales se font petit à petit plus fermes. Ses couleurs se ravivent. Vous en avez pris soin et elle vous le rend bien, elle vous est à présent agréable. Eh bien, les émotions, c'est pareil. Au départ, on ne les choisit pas forcément. Elles s'imposent à nous, nous procurant dans certains cas de la contrariété, voire même une sensation d'étouffement. Alors, nous entrons en rébellion contre elles. Dans une sorte de conflit intérieur dans lequel nous mettons de l'énergie pour tenter de nous en dépêtrer. Mais l'effort est vain, car l'émotion a toujours un sens. Et tant que nous nous efforcerons de le nier, elle s'accroche, nous entraînant dans une spirale indésirable.
Alors qu'en lui accordant de l'attention, en prenant soin de notre émotion, elle peut nous apprendre beaucoup sur nous. Nos besoins, nos envies, nos limites. Elle donne un éclairage sur notre situation personnelle et une belle opportunité de nous arrêter un instant et de nous demander ce qui se passe en nous pour ensuite envisager des changements afin d'être dans le respect de soi. Alors, pour cet exercice de visualisation mentale, regardez en vous-même et transformez toutes vos fleurs fanées en belles fleurs colorées, lumineuses et vigoureuses. Vous allez maintenant vous adresser à elles et leur délivrer un message en associant vos mots à votre respiration. Chaque phrase correspond à une inspiration ou à une expiration qui permettra à votre inconscient d'intégrer l'intention transmise. C'est parti. Visualisez une lumière jaune, chaleureuse, rassurante, qui accompagne chaque inspiration et pénètre en vous pour prendre soin de toutes vos cellules. En respirant tranquillement, dites à vos tensions « Je vous ressens et je vous entends. Je comprends que vous me signalez des choses. Je vous envoie mon souffle. Je vous envoie mon énergie pour vous apaiser. Je prends soin de vous avec respect et bienveillance. Je vous diffuse du calme pour vous détendre, vous mettre au repos. Continuez à respirer à votre rythme et tout au long de cette séance, votre respiration poursuivra ce travail de libération des tensions, sans que vous n'ayez plus à y penser. À présent, visualisez votre corps dans son ensemble. En partant du sommet du crâne, faites-en le tour en détaillant mentalement les contours du bout des doigts. Vous allez de la sorte encercler votre corps d'une sphère lumineuse et protectrice. Imaginez que votre doigt a temporairement le pouvoir magique de détendre tout ce qu'il touche instantanément. Percevez la sensation de votre doigt sur vos cheveux, là, au sommet du crâne. Votre front est lisse et détendu. Descendant par la droite, vous effleurez votre joue. Aussitôt, tous ces petits muscles se détendent, ainsi que vos paupières, naturellement closes. Les muscles autour de la bouche se relâchent. Votre mâchoire est détendue. Vos dents du dessus ne touchent pas celles du dessous. Portez votre attention sur la température agréable de votre corps. Votre doigt descend au niveau du cou,
vous pouvez ressentir une fraîcheur apaisante se répandre dans votre gorge, tandis que le calme apaise tout le haut de votre corps au fur et à mesure que votre doigt en dessine les contours. Sentez le galbe de votre épaule qui se relâche, de votre bras, votre coude, votre avant-bras et votre main qui reposent doucement. La détente s'installe au niveau de vos omoplates, votre cage thoracique, votre dos, votre estomac et votre ventre qui est relâché. Vous vous sentez spontanément plus confortable, soulagé, alors que votre doigt insuffle de l'apaisement au côté droit de votre buste. Partant de sous le bras pour longer votre corps. Il poursuit le long de votre bassin et de vos cuisses, qui sont à leur tour détendues et vous ressentez ce bien-être progresser au niveau de vos genoux, détendre vos mollets, vos jambes et enfin vos pieds jusqu'au bout des orteils. Alors qu'un sentiment puissant de calme s'offre à vous, vous poursuivez lentement le tour de votre corps en rejoignant, à votre rythme et par la gauche, le sommet de votre crâne, comme vous venez de le faire en descendant. Je vous laisse faire tranquillement. Visualisez à présent cette sphère lumineuse qui vous entoure, vous protégeant de toute intrusion désagréable venant de l'extérieur. Vous venez de créer une bulle de calme et de protection dans laquelle vous vous sentez parfaitement apaisé, libre de toute contrainte. Si des pensées vous apparaissent encore, ce n'est pas grave, ne luttez pas contre elles, accueillez-les simplement et laissez-les passer en vous reconnectant au son de ma voix. Constatez combien votre corps, dans son ensemble, s'est relâché, prêt à s'ancrer délicieusement dans votre réalité, ici et maintenant, laissant circuler l'énergie de façon fluide et généreuse, telle une cascade d'eau fraîche qui vous apporte un doux bien-être. Imaginez l'eau ruisseler sur vous avec une douceur divine, alors que dans le même temps, le stress, les doutes, les craintes et les soucis disparaissent peu à peu, lavés par cette eau pure et scintillante. Situez ce corps détendu dans votre environnement actuel,
serein, apaisant, où vous êtes en totale sécurité, où vous pouvez vous permettre d'endormir votre vigilance, car rien, absolument rien ne peut vous arriver. Ici et maintenant, vous êtes dans une bulle de paix et de bien-être. Tout est calme, tranquille, tout est bon à respirer, à ressentir, à vivre. Conscientisez la douceur que vous vous procurez en relâchant vos tensions. Vous êtes parvenu à vous apaiser uniquement à la force de votre esprit. L'extraordinaire pouvoir du mental nous permet de passer d'une situation de victime à une reprise de contrôle. Octroyez-vous la liberté de choisir votre état émotionnel. Votre respiration est toujours régulière. Vous pouvez ressentir la fraîcheur de l'air à l'inspiration et sa douce chaleur à l'expiration. Vous modifiez la température de l'air que vous inspirez, comme vous pouvez influencer votre bien-être. Contribuez à le rendre plus serein, plus juste. Connectez-vous pleinement à cette incroyable capacité qu'est la vôtre. Donnez-vous la liberté de reprendre confiance en vous, en vos ressources personnelles, celles-là même qui vous permettent en ce moment de vous sentir bien. Vous allez descendre encore plus profondément en vous-même, rejoindre votre monde intérieur. Je vais décompter de 10 à 0, et lorsque j'arriverai à 0, vous sentirez une paix divine vous envahir. 10. Vous êtes au-dessus d'un escalier de terre qui mène à votre monde intérieur. Neuf. Vous descendez. Déjà, vous ressentez le calme se diffuser en vous. 10. L'air sent bon et vous vous emplissez des odeurs florales et printanières qu'il dégage. 7. Votre corps se fait plus lourd, agréablement lourd. Comme traversé d'une onde de bien-être qui vous procure une ivresse agréable. 6. Vous souriez à la vie et à ses belles énergies. 5. Tout est calme. 4. Un sentiment de confiance vous envahit et vous rassure. 3. Vous remerciez ces belles ressources qui sont les vôtres pour se révéler à vous et prendre toute leur place.
deux, vous ressentez votre cœur s'emplir de joie et de légèreté. Vous accueillez ce bien-être avec gratitude. Un, ce moment est parfait, juste divin. Zéro, vous êtes au cœur de votre monde intérieur. Il scintille de générosité, de paix et de sérénité qui, tout au long de la nuit, vont recharger vos cellules d'une énergie durable, tranquille et apaisante. Dans cet univers magique qu'est votre monde intérieur, vous pouvez vous laisser aller au sommeil, tranquillement, sereinement. Vous allez vous endormir à votre rythme, lorsque le moment sera le bon pour vous, avec cette conscience de bien-être. Cet état cotonneux dans lequel les pensées se dissipent, les rêves se mêlent à la vie et la vie devient un doux rêve.